Madame, attendez. Monsieur, je m'excuse. J'essayais de... Ça va. C'est bon, je peux gérer. Merci, monsieur. C'est quoi ces bêtises? Pourquoi tu lui as dit de me dire que tu n'es pas au bureau pendant que tu es bel et bien là? Jane, c'est un bureau et l'éthique demande que tu suis les protocoles. Elle ne fait que son travail. C'est quelle stupidité! Dois-je demander une permission pour venir voir mon fiancé? Ça veut dire quoi? Jane, toi et moi ne sommes pas fiancés. Dois-je te rappeler cela? Ok, regarde. Tel que tu vois, j'ai tellement d'occupations. Alors, s'il te plaît. Nelson, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai été fait pour mériter ce genre de traitement? Hein? Tu ne réponds pas à mes appels et tu ne me rappelles même pas? Je ne peux pas accepter ce genre de comportement juste parce que je t'aime. Nelson, je suis un humain. Et j'ai le sang qui coule bel et bien dans mes veines. Jane, peut-on oublier ça maintenant? S'il te plaît. Il est très tôt pour ça et j'ai beaucoup à faire ici. S'il te plaît. Nelson. De quoi as-tu besoin que je ne peux pas te non, donner? Non, s'il te plaît. Juste, arrête. Arrête, arrête. Es-tu sûr? Arrête. Es-tu sûr? Arrête. Arrête. Ma chérie, chaque minute que je passe avec toi fait croître l'amour que j'ai pour toi. Je veux dire que ça le rend plus fort davantage. Tu sais, je ne pense pas que je peux vivre un seul instant de ma vie sans toi. Je t'aime beaucoup. Et je t'aime encore plus. Au-delà de l'imagination humaine, je ne pourrais jamais demander mieux que toi. Et Kenneth, tu rends mon monde merveilleux et complet. Je t'aime. Oh, merci chérie. Dis-moi, quand est-ce que tu retournes à l'école pour faire ton dernier examen? Ça sera entre le lundi et le mardi. Je suis trop content pour toi, oh. Et Kenneth, je dois te remercier pour tout. C'est grâce à toi que je suis arrivé à ce niveau. Bien, tu vas vraiment me manquer, tu sais, chérie. Allez, promets-moi que tu ne vas pas faire de bêtises. Allez, arrête ça. Tu sais que tu es une magnifique créature. Je ne t'échangerai contre rien ni personne au monde. Arrête, c'est pas vrai. Je t'aime. Mais... Qu'est-ce que c'est? Dieu merci, tu es là. Qui te pourchasse? C'est maman. Maman? Maman a recommencé encore. Ses médicaments ont fini. Oh. Allons-y rapidement. Où sont ces gars? Chief, calme-toi. Hein? Tu sais, tu es mon unique frère. Tu es le seul que j'ai. Je ne veux que rien de mal ne t'arrive. Je crois que nous devons juste lui donner un peu de temps. Il finira par venir et faire le nécessaire. Quand? Lui accorder du temps jusqu'à quand? Je te demande, je ne fais que prendre de l'âge. Nelson doit s'engager et me donner des petits-fils et continuer la lignée familiale. Il le fera. T'inquiète. Nous faisons quand même un effort. On vient juste de lui présenter James. Espérons juste que cette fois-ci, ça va marcher. Ça ira cette fois-ci. Hein? Gardons juste espoir. Je ne comprends pas tout ceci. Je ne comprends pas. Ce garçon avait l'habitude de séduire beaucoup de femmes. Je le connais bien. Je me rappelle encore de ses relations avec ces jolies filles. Il était fort en ça. Mais il a soudainement changé, ce qui me dépasse. Et il a l'air de ne plus apprécier les filles. Mon frère, s'il te plaît, essaye de t'apaiser. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, Biko. Tout ira bien. Je veux parler avec lui. Je veux parler avec Nelson. S'il te plaît, calme-toi. Oh? Oh,
Hein? Maman, tu en as besoin. Oui, maman, tu dois prendre ça. Pas Louis, non. Oui, maman. Tiens ça. Maman, maman. Maman. Vas-y, prends-le, ça va t'aider. Ok, fais maman, voir. Maman, tu vas prendre ça avec de l'eau alors, c'est bon? Allez. S'il vous plaît, laissez-moi. Maman, tout ce qu'on fait ici, c'est pour ton bien, alors bois. Maman, prends ces médicaments. Tu vas prendre ces médicaments, maman. Sinon, j'ose même pas imaginer en tout cas. Maman, s'il te plaît, tes médicaments, non? S'il te plaît. Regarde comment tu trembles. Maman, tout ça, c'est pour que tu guérisses, non? Tu veux guérir ou pas? Maman, c'est moi. Allez, maman, vas-y, juste un tout petit peu. C'est pour te guérir. Allez, laissez-moi comme ça. Prends. Je n'en peux plus, je suis fatiguée de prendre le médicament. Je t'en prie, maman. Ouvre si ta bouche. Reposer, tu prends d'abord ça et puis tu vas te reposer. Maman. Vas-y, prends. Prends, vas-y. Allez, prends. Tiens donc, mec, tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal, vraiment. Ok, cela me revient. Nous avons un nouveau club en ville. Ok. Ils disent qu'il y a des gonzesses tellement fraîches. Ils ont de la bonne bière. Celle que tu préfères. Tu devrais aller jeter un œil. Mec, je ne te prendrai pas au sérieux. T'es pas quelqu'un à qui je dois dire que les femmes sont les cadets de mes soucis maintenant. Sois toi, man. Ah, quoi qu'il en soit, je me souviens que j'avais vu Jane en venant ici au bureau et elle m'avait dit que vous sortez tous les deux en coulisses. Alors je me demandais peut-être que tu voudrais... Non, arrête ça. Elle était ici avec ses amis habituels et... Je lui ai juste proposé un dîner pour qu'elle me laisse travailler. Mais qu'est-ce que tu as? Hein? Mais qu'est-ce que tu as, non, frère? Dis-moi. Jane est une très belle femme, tu sais. Vraiment très belle et très fraîche. Elle a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut, frère. Et n'importe quel homme aurait envie de sortir avec elle. Il est où ton problème, non? En fait, le contrat avec la banque, tu avais dit qu'ils ont arrêté quelle date pour la signature? Attends, tu essaies de faire diversion là ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À part le fait que tu es mon ami et qu'on discute des histoires personnelles, je pense que la raison qui t'a poussé à venir au travail, c'est les affaires et non les blagues. Alors s'il te plaît, peux-tu le faire maintenant? Mon frère, t'es drôle, hein? Tu es vraiment drôle. Quoi qu'il en soit, pour le contrat, ils ont dit qu'ils reviendront. Avant le week-end. Es-tu satisfait maintenant? Ça, c'est ce que je voulais entendre. Maintenant, tu parles mon langage. C'est ça que je voulais entendre. Viens, tu non? Tu dois parler mon langage. Très bien. Ça va t'aider, je te jure. Arrête. Il faut y aller. Ne cherche même pas à insister parce que je ne bouge pas. Je vais appeler Jeno. Écoute, Munachi, je suis très content qu'il ne te reste plus qu'une année à passer à l'école et puis on finira une fois pour toutes. Ok? Écoute, laisse-moi te dire. Après ton dernier examen, tu vas défendre. Après, tu vas avoir un très très bon travail et nous nous marierons juste après.
Ikene, je n'arrive pas à attendre que tout ceci puisse se produire pour que nous puissions être ensemble. Ah, de même que moi, nous n'avons qu'à être patients. Ikene, je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Dieu t'a envoyé pour moi. Merci Ikene pour toujours être là pour moi toutes ces années. Je t'aime. Oh. Je t'aime beaucoup. Oh, je t'aime aussi. Je t'aime. attends. Ils ont failli nous avoir ceux-là. Je t'aime, chérie. Ah, désolé, monsieur, j'étais en train de... Ah, ça va. Tu peux t'en aller. Je ne suis désolé car... Oh, s'il te plaît. Épargne-moi de ces mensonges. Je m'attendais à ça. Je savais très bien que tu allais le faire. Nelson, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi réellement les problèmes? Pourquoi ça t'a fait plaisir de me faire du mal? Est-ce un crime de t'aimer? Non, ce n'est pas ça, tu vois. Non, Jane. Regarde. Ce n'est pas toi le problème. Je veux dire, c'est moi le problème. Tu vois, c'est un problème d'émotion et les deux parties doivent jouer bien leur rôle pour que ça marche. Pas une seule partie. Je remarque juste que pendant ce temps, tu en fais de trop et ça ne m'aide pas du tout, ok? Aide-moi à ressentir ce que tu ressens. C'est ce que tu me dis? Je ne te blâme pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Jane, arrête ça. Jusqu'à quand continueras-tu à faire couler des larmes? Est-ce que tu sais que tu es si belle pour pleurer? Oui, alors s'il te plaît, sors de cette humeur, ok? Tantine Kamsi, je l'aime de tout mon cœur, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne le voit pas. Je l'aime sincèrement. Ok, juste donne-lui un peu de temps, il finira par le remarquer. Un peu de patience. Es-tu sûr? Bien sûr que oui. Jane, tu dois essayer de te calmer. Et arrête de pleurer. As-tu entendu ce que ma soeur a dit? Elle va lui parler et il reviendra vers toi. Donc calme-toi. Oui, c'est promis. Te dérange pas beaucoup, ok? Tout ira bien. Ok. Essuie tes larmes maintenant. écoute-moi mec, je sais que tu es mon ami, mais je dois être sincère avec toi. Ce que tu as fait n'était pas juste. Pourquoi n'avais-tu pas répondu à ses appels? Ou au moins l'a rappelé? Regarde maintenant ce que tu as créé dans son cœur. C'est mal. Elle est humaine. Mec, je devais lui dire la vérité, ok? Je dois être sincère envers moi-même et envers elle. Ok? Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça du tout. Pourquoi n'aimes-tu pas cette fille? Et à ce que je sache, mec, cette fille est la meilleure de toutes celles qui se sont présentées à toi. Donne-lui au moins une chance. Pas maintenant. Je veux dire, ça ne marche pas. Donna, tu es mon amie et tu dois comprendre ça. Je ne ressens rien du tout pour la fille. Huh. Quoi qu'il en soit, jette juste un œil à ça. Nelson. Tante. Est-ce que tu sais que tu es mon neveu préféré? Oui.
Le meilleur. Celui qui est très intime à moi. Et tu sais que je t'aime. Moi aussi je t'aime, tante. Merci. Tu dois savoir que ce que nous faisons, moi et ton père, c'est pour ton propre bien. Ton père ne peut pas te décevoir. Moi non plus, je ne peux pas le faire. Et tu le sais. Tante, je sais. Mais s'il te plaît, j'ai besoin du temps. Je veux juste que vous me donniez du temps, s'il vous plaît. Si tu le dis, on te donnera le temps. Mais ne tire pas de choses à longueur, oh. Donne-nous une suite dissipée. Hein? Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de poser les actions. Ok. N'oublie pas que Jane est une femme. Il a des émotions, aussi des sentiments. Jane est très jolie. Elle est une bonne fille, d'une bonne famille. Bien formée et bien éduquée. Elle est bien instruite. De plus, elle s'est très bien préparée. Il y a un dicton qui dit « La voie qui va vers le cœur d'un homme, c'est son estomac. De ces faits, tu auras tout ce dont tu as besoin en elle. » Fais-moi cette faveur. Je veux que tu appelles Jem. Prends le temps de t'asseoir et en parler avec elle. S'il te plaît, j'espère que tu comprends ce que j'ai dit. Oui, tante, j'ai entendu. Ok, je verrai quoi faire. Merci. Es-tu contente maintenant? Ah, je suis très contente même. En tout cas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Oh, c'est ce que tu veux? Oui. Seigneur qui est aux cieux, je te bénis pour la vie de ma fille. Pour son chemin de l'école jusqu'à son retour, Seigneur, je te prie de la protéger. Amen. Je couvre le taxi qu'elle va emprunter ainsi que le chauffeur du sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'elle soit plus brillante que les autres. Qu'elle termine avec une grande distinction. Amen. Et à la fin, ne l'a pas manqué à te rendre grâce. Amen. Seigneur, tu sais que je n'ai pas assez de moyens pour la donner. Ce que je te demande, Seigneur, qui est plus important, et qu'elle soit remplie de sagesse comme Salomon. Qu'elle soit remplie de sagesse. Qu'elle soit remplie de sagesse, Seigneur. Amen. Qu'elle soit toujours la tête et non la queue. Amen. Merci, Jésus. En ton nom, nous avons ainsi prié. Ma fille, oui. Que Dieu soit avec toi. Amen. T'inquiète, je suis ici. Rien ne va m'arriver. Entendu? Vis bien là-bas. Prends soin de toi, maman, je t'en prie. D'accord, gros. Sois sage, ma fille. Oui, maman. Ne vous en faites pas, tout ira bien, madame. Ok. Au revoir, maman. Prends soin de toi. D'accord, ma fille. Bon aller, ma soeur. Au revoir, ma fille. Que allez, je te maman, garde. Au revoir. Bye. Prends soin de toi. Hein? Laisse-moi me reposer ici. C'est supposé être une compétition de regards. T'es en train de me regarder sans rien dire. Tu me nerves, qu'est-ce qui ne va pas? Jane, sais-tu que tu es vraiment une belle fille, n'est-ce pas? Je veux dire, tu es intelligente. Ok. Tu as étudié, etc. Tu as les qualités dont un homme serait prêt à tuer pour t'avoir. Ouais. Mais je suis désolé, je veux que tu me comprennes. Tel que je t'avais dit, ce n'est pas toi le problème. C'est moi le problème. C'est moi le problème. Je ne ressens rien du tout pour nous. Et je n'aimerais pas
Je ne voudrais pas susciter de l'espoir en toi et pourtant c'est une mission impossible. Regarde, Jane. Je suis désolé, mais ça ne peut pas marcher. Je ne suis pas prête à m'engager dans une relation, alors s'il te plaît, comprends-moi, hein? C'est vrai ça? Ouais. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est bien. D'accord. C'est bien. Je suis désolé. Comment as-tu pu, Nelson? Comment as-tu pu? Cette fille t'aime. Elle t'adore. Elle te glorifie. Quoi d'autre cherches-tu auprès de cette pauvre fille? Nelson, tu es mon unique fils. Et ton nouvelle attitude m'inquiète énormément. Ne me pousse pas à t'abandonner. Parce que si tu le fais, tu vas le regretter. Maman, oh. Oh, Nkene? Oui, maman, dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien. Tu es là? Oui, maman. Oh, prends place. Dis-moi, maman, quelles sont les nouvelles? Mon cher, comme tu le vois, Dieu est fidèle. C'est vrai. Je suis en vie. Et Dieu va continuer à te garder en vie pour nous. Amen. Maman, je t'ai amené quelques médicaments. Merci, oh, maman. Hey! Ce n'est rien, maman. Merci, oh. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. Que Dieu te bénisse. Merci. Maman, il semblerait que tu sois toute seule ici. Où est Ujena? Tu connais bien Ujena avec son histoire de football. Il est allé jouer. Je crois, oh. Il est allé jouer au foot. Je crois qu'il est déjà sur son chemin de retour. Tu le connais bien. Qui n'est pas connaître ce gars-là? C'est d'accord, maman. C'est d'accord. S'il te plaît, prends très bien soin de toi. Je le ferai. Bien. Maman, je crois que je devrais déjà me mettre en route pour le boulot. Mmh. Oui, je me dirigeais vers le boulot. Je me suis dit de venir te donner ceci. Hey, maman. Oui, maman. Allô? Oui. Allô? Prends soin de toi, mon oh. Fils. Au revoir. Oui, bien sûr, maman. Maman, s'il te plaît, une fois que Uchima va revenir, dis-lui que je t'ai passé le voir aussi. D'accord. D'accord, au revoir. Sois sage, oh. Oui, maman. D'accord, mon fils. Ah, un gentil garçon. Ah, maman, mais Ujena, qu'es-tu en train de faire? S'il te plaît, veux-tu te blesser ou quoi? Ujena, ce sont juste de petits bois. Hein? C'est juste pour préparer quelque chose. Je savais que tu allais avoir aussi faim. Maman, s'il te plaît, ne fais plus ça. Il faut toujours m'attendre. La faim ne tue pas. Ujena, je suis forte maintenant. Je peux bien le faire. Maman, je sais que tu es forte, mais tu n'es pas assez forte pour faire ce genre de travail. Hein? S'il te plaît, attends, je vais aller m'échanger pour continuer tout ça. S'il te plaît, ne touche plus à rien, oh. J'arrive. J'arrive. Toi, vraiment, hein? Oh.
Franchement parlant, bro, tu as tout foutu en l'air. Tu as vraiment tout foutu en l'air. Comment peux-tu la larguer juste comme ça? Hein? Donat, que voudrais-tu que je fasse? Continuer à lui mentir? Il serait mieux pour elle de savoir qu'il n'y aura aucun avenir entre nous et qu'elle se débarrasse de ses sentiments. Alors, que dira le chief? Que dira ta tante? Là, tu viens de les décevoir encore une fois. Ça m'est égal. Ok? C'est ma vie. C'est ma vie, Donald. Et je suis un homme. Je sais ce que je veux. Ok? Alors qu'il me laisse tranquille. J'en ai vraiment marre. S'il te plaît. Nelson, je te jure, si c'était pas mon ami, je t'aurais déjà donné des gifles. Et tu crois qu'on te glorifie? Honnêtement. Insensé que tu es. Merci. Kamsi. Mon frère. Dis-moi, qu'ai-je fait de mal à Nelson? Pourquoi ne peut-il pas faire ce que j'attends le plus de lui? Ça me dépasse. Je suis hors moi. Qu'il ne me pousse pas à trouver une autre femme et avoir beaucoup d'enfants. Parce qu'il pense qu'il est mon unique fils et qu'il peut tout faire. Ah, mon frère, une autre femme? Non. Il n'est pas question ici d'épouser une autre femme. Non, non, pas ça. Non. Je crois que nous devons plutôt chercher à comprendre c'est quoi le problème. À la place de l'abandonner, cherchons à comprendre son problème pour mieux l'aider. Alors qu'il nous le dise. S'il ne peut pas se confier à nous, sa famille, à qui d'autre pourrait-il? Son ami. Oui, son ami. Mon frère, j'avais déjà contacté Donald. Je l'ai invité de venir ici à la maison. Peut-être que nous allons découvrir une chose qu'il est en train de nous cacher. Il y a certainement quelque chose qu'il a expérimenté qui l'a rendu ainsi. Nous devons l'écouter. Hein? Comme ça, nous saurons comment l'aider. J'aurais dû penser ainsi depuis longtemps. Je pense que c'est une bonne idée. Trop bien. Donald? Oui, Chief. Tu es le meilleur ami de Nelson. J'ose croire que ce qu'il ne nous a pas dit, à toi il l'a certainement fait. Alors dis-moi, c'est quoi son problème? Chief, honnêtement, je ne sais rien. Je ne sais pas. J'ai essayé de découvrir quel était le problème exactement, mais jusque-là, il ne s'ouvre toujours pas à moi. Il m'a juste parlé de ce qu'il ressent pour Winnell et m'a demandé de respecter cela. Donald. Tantine? Il n'est pas par hasard gay? Ah ah! Oh, peut-être qu'il est impuissant? Ah, sans effet. Non, il ne l'est pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il le soit. Il va bien. Il va bien, ma tante. Alors, pourquoi il n'a pas des sentiments pour des femmes? Pourquoi? Comment il ne peut pas avoir des sentiments pour une femme? Donald. Chief. Il y a toujours un jour et un temps pour n'importe quel secret. Alors, j'aimerais que tu essaies de le sonder et découvre si c'est quoi les problèmes. Compris, monsieur. Pour qu'on essaie de l'aider. Ok? Ok. Ok, monsieur, je ferai de mon mieux en tout cas. Je ferai de mon mieux, Chief. C'est promis. Tu peux partir maintenant. D'accord. Ma tante. Bye bye. D'accord. Bye bye. Kamsi, je ne comprends plus ce garçon Nelson. Franchement, j'en suis fatiguée. Je ne sais même plus qui croire. Comment un homme peut soudainement changer tout son comportement et sa façon de voir les choses? Hein? On doit bien analyser ce magazine pour voir si on peut placer notre publicité ici telle que prévu. Lisa. Monsieur. Tu vas bien? Oui, monsieur. Sors de mon bureau. Merci, monsieur, d'accord. Lisa, retourne ici. Depuis quand as-tu commencé à t'habiller de la sorte? Que ce soit ta dernière fois de t'habiller de la sorte ici au bureau, ok? D'accord, monsieur. C'est un mensonge, Nelson. Ça ne peut pas être vrai.
Tiens donc, papa. Comment puis-je mentir à propos de ma propre secrétaire? Papa, tu ferais mieux de la prévenir, oh. Ah! Bien, fils. Tu ne dois pas trop la blâmer. Elle est jeune et belle. Et tu n'es pas mal non plus. Elle essaie juste de tenter sa chance. Avec son patron? Pas du tout. Je ne supporterai pas ça. Si elle ose encore, je vais la virer. S'il te plaît, tu ferais mieux de la prévenir, oh. Sinon je ne supporterai pas. Pardon. Je ne supporterai pas. Ok, boss. Lisa, où est-ce que tu as dit que tu avais mis ces dossiers? Parce que je n'arrive pas à les trouver. Ok, laissez-moi vous aider. Qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu vas bien? Qui t'a appris ces bêtises? Et c'est depuis quand? Et tu sais quoi? T'es viré. Monsieur, c'est vous qui vous en prie, monsieur, je vous en prie, pardonnez-moi. C'était pas mon intention, monsieur, je vous en prie, pardon. C'est ton père et ta tante comme s'il m'avait demandé de le faire. Quoi? Et tu étais d'accord avec cette bêtise? Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, monsieur, je vous en prie. Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous en prie, monsieur. C'est bon, juste... Va-t'en. Merci, monsieur. Merci. Je suis désolée. Merci, monsieur. Merci. Allez mon gars, ne blâme pas ton vieil homme, d'accord? Il ne fait rien d'autre à part s'inquiéter pour toi, c'est très clair. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? C'est un dossier vraiment sensible. Ce gars ne fait que continuer à me harceler jusqu'à ce que je me marie, oh. Et alors quoi? Non mais, si telles sont ses intentions, alors quoi? Oh attends, tu es de quel côté dans ces sujets? Les deux, pour toi et ton père. Je me demande comment je suis devenu ton meilleur ami. C'est ce que je me demande aussi. Tu es malade. Écoute, sincèrement, tu dois aller te marier. Tu dois chercher à te marier. Mec, la pression est trop forte. Pardon. Ah, ah. De quoi tu parles? Ton père doute fort que ton machin là entre les jambes fonctionne. Alors prouve-lui le contraire, oh. Hein? Ah, pardon. Parce que moi, je ne suis pas sûr que ces trucs-là marchent. Je t'ai toujours cru, mais là, je ne te crois plus du tout. Oh, merci. Ce n'est rien de grave, Chief. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un très grand repos. Et éviter un peu le stress. Il semblerait que vous ayez forcé sur les pensées dernièrement. Allez-y doucement. Et vous irez mieux. Merci, Doc. Très bien. Je vous en prie, pardonnez-moi, Chief. Merci, mon cher. Il n'y a pas de quoi. Bien, ainsi dit, je vais y aller maintenant. Ok. Bien, passez une bonne journée, monsieur. Pareillement. Et ouais, merci. Papa, tu as entendu le médecin. S'il te plaît, tu dois réduire ton stress et arrêter de penser. Pourquoi ne devrais-je pas penser? Pendant que mon unique fils a refusé de m'écouter. Papa, je t'avais déjà dit. S'il te plaît, ne recommence pas. Je m'en fous complètement. Ne sois pas surpris. Un jour, tu reviendras ici et tu découvriras que j'ai épousé une autre femme pour mettre fin à toute cette dépression. Papa? Alors, bro, tu penses qu'il était sérieux ou il bluffait? Bluffé? Non, je connais mon père quand il est sérieux. Et tu lui laisserais faire cela? Mais c'est sa vie. Si ça lui rend heureux, je ne trouve pas d'inconvénient. Alors arrête ça, Nelson. Tu exposes ce vieil homme à plusieurs dangers. Écoute, toute fille qui acceptera de l'épouser maintenant ne viendra que pour son argent et c'est tout. Et honnêtement, je ne crois pas comment est-ce que ça va marcher entre toi ainsi que cette fille.
J'aménagerai dans une autre maison, mon cher. Oui, je veux dire, si le vieillard veut trouver refuge entre les mains d'une jeune femme, alors je marche, pourvu que j'aie la paix du cœur. Je prie pour que tu saches ce que tu fais, honnêtement. Honnêtement, ouais. Je prie pour que tu le saches. Maman, maman, qu'y a-t-il? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman? Maman? Maman, dis-moi, qu'y a-t-il, maman? Maman, s'il te plaît, c'est quoi, maman? C'est quoi le problème, s'il te plaît? Tiena, je ne sais pas. Maman? Maman, mon Dieu, va vite chercher de l'aide. Hey. Va vite, lève-toi. Maman, non. Et vite. Maman, maman, mais qu'est-ce que tu as? Maman, s'il te plaît, Tiena, fais vite. Maman, je t'en prie. Maman, Tiena. Maman, maman, s'il te plaît. Maman, maman, pas ça. Je t'en prie, maman. Maman. Docteur, s'il vous plaît, comment va ma mère? S'il vous plaît, docteur, j'espère qu'elle est toujours en vie. Apaise-toi, elle est en vie. Nous l'avons stabilisée. Nous avons fait de notre mieux, en tout cas. Mais elle doit passer quelques examens, en fait. Et tel que vous voyez, c'est un petit hôpital. Nous n'avons pas tellement d'équipements requis pour ce genre de tests. Alors, je vous conseillerais de l'emmener dans un grand hôpital. Docteur, est-ce qu'on peut la voir? Bien sûr, suivez-moi. Tante Kamsi, tu avais l'air très urgente au téléphone. Je pense que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ah ah. Nelson, tout ne va pas bien. Ton père m'a appelé au téléphone. Il avait l'air très sérieux pour cette histoire de prendre une nouvelle femme. Oh ça, je ne suis pas surpris. Il a l'argent, s'il veut épouser une autre femme, ça va. Hein? Oui. Vraiment? Ah. Nelson, ton père ne le fait pas par son propre gré. Hein? Ne prends pas cet appel. Tu vois ce que je disais? Ton père le fait par pression. Il agit par frustration. Et tu dois faire quelque chose. Tu dois arrêter ça. Tante Kamsi, tu sais que je te respecte beaucoup. Mais s'il te plaît, j'aimerais que tu comprennes ça. Nelson n'est pas prêt pour des troubles des femmes. Je ne suis pas prêt pour le mariage. Et si papa veut se trouver une autre femme, c'est cool. Je le soutiens à 100% aussi longtemps que j'ai la paix du cœur. Et tante, s'il te plaît, je ne souhaite pas continuer avec cette discussion. S'il te plaît. Sérieux? Oui! Si tu es d'accord que ton père trouve une autre femme, mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu sais quel genre de femme il peut finir avec? Hein? Je ne suis pas partante. Nancy, tu dois te trouver une femme. Tu dois te marier. Attends, je ne comprends pas pourquoi ça devient compliqué. Je sais ce que je veux et je suis un homme. J'irai quand je serai prêt. Tu es prêt pour cela. Le temps est propice pour ça. Haya! Oh! Tu dois te marier. Ça, c'est sérieux. Je me demande pendant combien de temps avez-vous géré cette maladie? Elle est sérieusement malade, à l'intérieur. Et pensait qu'elle était en train de garder et d'endurer cette grave maladie avec l'automédication. Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? Votre mère souffre d'un cancer endométrial. Hein? De quoi vous parlez, docteur? Par là, je voulais dire le cancer de l'estomac. Ah. Oui, et ça a commencé à prendre de l'ampleur en elle. Et elle est dans un état critique. Alors, on ferait mieux de la placer sous thérapie. Très vite pour la sauver. Docteur, Hi. Nous parlons de combien ici? Mounachi, arrête de pleurer. Ok? Écoute-moi.
Pleurer ne va rien amener comme solution à ces problèmes. Ok? Au contraire, tu t'attires toi aussi des problèmes comme ça. Alors je t'en prie, arrête. D'accord? Écoute. Essaye de te relaxer et nous allons trouver une solution à ce problème. Et qui est né? Ma mère est en train de mourir et je ne sais pas l'aider. Notre vie n'est remplie que de peine. Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Pourquoi? Nous n'avons que notre maison combien? Même si nous la vendons, nous n'aurons pas totalisé cette somme de 3 millions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mounachi. Où est ta croyance? Hein? Ne crois-tu pas au miracle, toi? Mounachi, je crois que nous devrions prier et croire. Ok? Je sais que Dieu ne permettra pas que quoi que ce soit n'arrive à maman. Ok? Ok, d'accord. Écoute-moi. Écoute-moi. Arrête de pleurer. Je vais sortir un peu pour voir si je peux trouver un peu d'argent. Ou chercher quelque part ou emprunter de l'argent. Ok, maintenant arrête de pleurer, je t'en prie. Viens là. Salut. Excusez-moi, jeune fille. Qui a-t-il? C'est quoi le problème? Essayez au moins de me parler. Faites-moi savoir les problèmes. Parlez-moi. C'est quoi votre problème? Arrêtez de pleurer et parlez-moi. Dites quelque chose, parlez-moi. Elle ira mieux. Ok? Laissez-moi voir en quoi je peux aider. Mais vous devez vous calmer. Arrêtez de pleurer. Ok, monsieur. Ok? Tenez, trouvez quelque chose à manger avec votre frère. D'accord, monsieur. Et ça, c'est ma carte de visite. Appelez-moi à n'importe quel moment que vous aurez besoin de moi. Merci, monsieur. Merci énormément, monsieur. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Dieu va vous bénir. Merci. Qu'il vous bénisse aussi. Je dois vous laisser. Je vous verrai après. Non, non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Oh, mon Dieu! Il a dit qu'il va encore nous aider. Mounachi. Après avoir pensé à propos de votre situation, je me suis demandé pourquoi Dieu nous bénit avec de l'argent. Si ce n'est pas pour aider les autres, j'ai décidé de payer les factures de l'hospitalisation de votre mère. Je vais appeler les docteurs maintenant. Je vais transférer l'argent pour qu'elle commence le traitement. Qu'elle commence le traitement? Oui. Monsieur, vous êtes gentil. Dites-moi que c'est faux. Je suis trop vieux pour ça. Je vais le faire. Oh mon Dieu! Merci énormément, monsieur. Je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est un miracle. Monsieur, vous n'allez jamais manquer dans votre vie. Merci, monsieur. Merci. C'est bon, c'est bon. Assieds-toi. Assieds-toi. Vas-y. S'il te plaît, ne panique pas. Hein? Il y a une autre chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. C'est la raison principale pour laquelle j'envoie l'argent.
Je serai plus que content. Je serai très content si tu le fais pour moi. Je serai l'homme le plus heureux du monde. Juste parce que vous allez sauver la vie de ma mère. Tout ce que vous allez me demander, je vais vous le donner. Essayez de tout demander, monsieur. Je suis prête. Munachi, je sais que c'est très difficile. Mais c'est également une grosse opportunité pour nous. Dieu répond à nos prières de manière différente. Uche, tu ne m'attendais pas à cela. Pourquoi il ne peut pas nous aider sans pour autant demander quelque chose? Qu'est-ce qui va arriver à Ekene après toutes ces années de sacrifices? Donc tu préfères être avec Ekene et laisser notre mère mourir, c'est ça? Ça c'est tellement compliqué. J'aime beaucoup Ekene. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Mais il s'agit ici de la vie de notre mère. Regarde, on doit sauver maman. Nous avons énormément besoin de cet argent pour sauver la vie de maman. Je ne m'attendais pas à cela. Écoute, Munachi, c'est notre unique chance. Ne la gâche pas, s'il te plaît. Si quelque chose arrivait à maman, je jure, je ne te le pardonnerai jamais. Uche. Uchena. Mon fils, où est Munachi? Je pense qu'elle est partie voir ses résultats. Sans pour autant préparer. Et c'est toi qui es en train de balayer. Ah maman, ce n'est pas un problème, ça ne fait rien. Oh mon cher, merci. Maman! 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 Munachi, ma fille. Munachi. Maman. Qu'est-ce qui te met dans cet état de joie comme maman, ça? Maman, devine. Moi, je ne sais même pas comment maman. Deviner. Munachi, est-ce que Ekene a trouvé l'argent pour t'épouser? Maman, je reviens juste de l'institut. Et mon nom se figure dans la liste des admis. Wow. Maman, j'ai été admise, j'irai à l'université. Ma fille, tu vas donc aller à l'université? Oui, maman. Hey. Je vais à l'université, maman. Munachi, félicitations. Merci. Chineke, mama. Hey. Maman, qu'est-ce qui se passe? Où maman? Allons-nous trouver l'argent pour t'envoyer à l'université? Où? Mais maman, j'ai obtenu l'admission. L'admission n'est pas du tout un problème, ma fille. Le problème, c'est l'argent. Maman, Dieu pourvoira, hein? C'est Dieu qui lui a donné l'admission, il pourvoira. Hey, mon Dieu, pourquoi? Maman. Maman. Allez. Maman. Maman, Dieu pourvoira. Je suis désolée, Munachi. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va pouvoir. Nous avons un problème sérieux d'argent. T'inquiète-toi, maman. Le Dieu qui m'a permis de réussir à cet examen s'occupera du reste, je sais. Alors comme ça, j'ai laissé la pauvreté me voler mon amour pour toi. Mon Dieu, pourquoi cela ne doit arriver qu'à moi? Vraiment, Munachi, tu n'avais vraiment rien d'autre à demander à Dieu. Pourquoi devrait-il t'épouser? Ekene, s'il te plaît, ne me fais pas du tout mal comme ça. Tu sais que je t'aime, je ne peux pas te faire du mal. Ekene, c'est une lourde charge pour moi. De voir ma mère mourir ainsi. Elle a tant souffert pour moi. Et elle ne me pardonnera jamais si seulement je la laisse mourir. Uchenna ne sera non plus pas d'accord avec moi si seulement je laisse notre mère mourir. Hein? Quel genre de combat est ça vraiment? Hein? Pourquoi la vie devrait être injuste ainsi avec moi?
Ah. Ekene. Ekene. Je ne t'oublierai jamais. Je veux partager tout ce dont on a eu ensemble. Mounachi, quelle faute serait-ce vraiment? Je veux dire, où sera le mal si je ne puis t'épouser, Mounachi? Ekene, je ne peux pas laisser ma mère mourir ainsi. Je dois la sauver. S'il te plaît. Ok, tu sais quoi? Tu vas le faire. Mmh. Oui, tu vas le faire. Mais cela est censé être un jeu. Comment? J'ai essayé de réfléchir. Je veux le faire. Je vais t'épouser. Mais s'il te plaît, la remise de ma dot et mon mariage doit intervenir juste après la guérison de ma mère. Je veux faire sa joie et elle doit en retour me bénir. Ça, ce n'est pas un problème du tout. Aussi longtemps que j'ai ta parole, je vais attendre. Merci. C'est moi qui suis censé te remercier pour m'avoir accepté. Mais je vais te promettre que tu ne vas jamais regretter le choix que tu viens de faire. Aussi longtemps que je vivrai, je ferai ton bonheur. Merci. Merci. Dis-moi, tu penses que ton père est en train d'essayer de prendre l'avantage sur cette pauvre fille-là? Non, non, non. Père n'est pas comme ça. C'est un réaliste. Très bien. Okay? Il sait ce qu'il veut et il y procède sans compromis. Et je ne pense pas que... Il doit sûrement avoir aimé la fille avant de la demander en mariage. Tu vois? Et tu as donné ton consentement? Oga, si je me rappelle très bien, tu m'as posé cette question plus de 7 fois et j'ai continué toujours à te donner la même réponse. Oh, s'il désire une jeune femme pour avoir du plaisir, alors qui suis-je pour arrêter cela? J'espère juste qu'elle soit une bonne fille. Bien. Bonne chance à lui. Alors ça, c'est la meilleure des choses qui t'ait jamais dites toute ta vie. Tu es un vrai malade. Tu es malade. Oh, tu n'as même pas envie de toi. Mon cher. Ton père est en train de se marier avant toi. Seconde femme, oh. Hein? Fils irresponsable d'un Attends. Bon père. Pourquoi n'es-tu pas marié alors? Parce que je ne suis pas le fils aîné. Je ne suis pas fils unique. Parce que si j'étais fils unique de mon père, je serais déjà marié il y a très longtemps de cela. Tu ne fais que te tromper. Va te marier, non? Oh, dingue. Ton père est d'ailleurs mieux en amour que toi. Va mourir. Laisse-moi jurer de se marier. Tu vas me tuer, mec. Ok. Va te marier, oh. Oh, merci. Oh, papa, bienvenue. Bienvenue, Chief. Merci. Viens. Fiston. Papa. Comme si. Grand frère. Laissez-moi vous présenter officiellement ma future femme, Mounachi. Mounachi, lui c'est mon fils Nelson. Elle c'est ma sœur. Bonsoir. Bonsoir. Mounachi, comme tu es jolie. Merci. Bienvenue dans notre famille. Papa a vraiment des yeux pour de belles femmes. Bienvenue, ravie de te connaître. Le plaisir est le mien. D'accord, fini avec les présentations. Le dîner est déjà prêt, alors pourquoi pas aller à la table et tout continuer là-bas. Sûr, j'ai déjà trop faim. Allons-y. Après vous. Mounachi. Chifo, Dieu va te bénir. Je ne sais par où commencer à te remercier. Tu m'as donné une seconde chance, une nouvelle vie, l'opportunité de rester en vie. Moi, Teresa, je suis complètement guérie et je me suis remise sur pied.
Non, mamie, non, maman. Hey, oh. Que mon Dieu te bénisse dans son amour infini, Chief. Que tu ne sois jamais ruiné. Que sa protection soit sur toi ainsi que toute ta famille. Ni t'étais pour toi, je n'allais pas être capable de me lever et voir l'extérieur de ma parcelle. Merci. D'accord, Chief. C'est ça. Ekene, s'il te plaît, tu peux te calmer et m'écouter? Écouter quoi? Monachi, écoutez quoi? Hein? Pourquoi veux-tu toujours qu'il te voie? Pourquoi? Tu n'as même plus le temps pour moi ces temps-ci. Ekene, il est mon mari. Ah! L'as-tu oublié? Il a besoin de mon temps et de mon attention. Pour l'instant. Ok? Il est ton mari juste pour l'instant. Hey, Seigneur, tout ça commence à devenir pire que ce que je craignais. Maman veut te voir. Pourquoi? Je ne sais pas, va juste la voir. Que lui as-tu dit? Chief, tu n'es pas de bonne humeur. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, ma chère. Tu vois, Mounachi, tu n'es pas obligé de venir ici à chaque fois. Je n'ai pas l'intention de te toucher jusqu'à ce que tu le décides. On le fera après le mariage. J'aimerais aussi que tu passes du temps avec ta famille. Écoute, Mounachi, je t'épouse parce que je veux être heureux avec toi. Je sais que chaque seconde que je passerai avec toi apportera la joie et la tranquillité dans ma vie. Merci beaucoup. Chief, tu es un bon homme. Merci. Et je ferai de mon mieux pour te faire plaisir. Je pense qu'il est temps qu'on te trouve un travail. Parce que tu dois t'occuper avec quelque chose d'intéressant. Je ne veux pas que tu sois juste une femme de foyer. Merci. Je ne vais pas te décevoir. Ça veut dire que je dois apporter mon CV demain? La femme du directeur général n'a pas besoin d'un CV. C'est un mode express. Une instruction directe. Merci beaucoup, Chief. Je t'aime. Merci. Ojibwa Neo. Ekene, mon fils. Oui, maman. Je sais que ceci sera très difficile pour toi. Notre souhait a toujours été de voir ensemble Mounachi et toi comme mari et femme. Mais Dieu seul sait pourquoi l'histoire a pris cette tournure. Écoute, Ekene, Mounachi t'aime de tout son cœur. Ne crois pas que c'est aussi facile pour elle. Mon fils, c'est pas comme si je prenais sa défense. Hein? Je t'en prie, essaye de comprendre. C'est pour cette raison que je t'ai fait appel, mon fils, pour t'expliquer calmement. Accepte les choses comme telles et essaye d'avancer. Je t'en prie. Ekene, dès qu'ils vont finir avec leur mariage, je vais me rassurer pour qu'ils te remettent une somme raisonnable. Tu vas renforcer ton business en agrandissant ton garage. Et ton train de vie va changer. Je t'ai fait confiance, tu vas y arriver. Je sais que tu es un très grand bosseur. Hein? Ada Bogobo. Hein? Ekene, tu finiras par trouver une fille très jolie. Aimante et attirante plus que Mounachi. Crois-moi quand je te dis ça. Hein? Je t'en prie, mon fils. Maman, c'est ce que vous voulez toutes les deux, n'est-ce pas? Mon fils, qu'est-ce que je peux faire? Essaye de comprendre, Ekene, je t'en prie. D'accord. Dieu merci, vous êtes de nouveau sur pied. En tout cas, là, je dois partir.
Merci, mon fils. Je sais que tu es un bon garçon. Tu vas accepter. Ce n'est pas du tout de ma faute. Hein? Je sais que tu vas accepter. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ton garage. Je te le promets, mon fils. Dalourie Neo. Au revoir, mon fils. Nelson, est-ce que tu peux manger lentement, hein? Papa, cette nourriture est spéciale. Mounati sait vraiment faire la cuisine. Tu sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ce genre de nourriture. C'est juste une nourriture ordinaire. Non, c'est vraiment délicieux. Papa, tiens. Nelson, va épouser ta propre femme et laisse la mienne tranquille. T'es vraiment drôle. Pas de problème, papa. Apprécie ta femme quand moi j'apprécie ma nourriture. Franchement, tu as raison. Cette soupe est délicieuse. Papa. Désolé de n'avoir pas assisté à ta présentation au staff. J'avais des tâches supplémentaires. Il y a des trucs un peu là dont je devais m'occuper. Ce n'était pas exprès. Je suis navré. Ok? Bienvenue à notre entreprise. Où est père? Merci énormément. C'est mon plaisir d'être dans cette entreprise. Ton père est parti à un rendez-vous et je suis sûre qu'il va bientôt revenir. Oh, ok, très bien. Ceci étant, commençons par te montrer les choses dont tu dois absolument savoir puisque tu travailles. Ah, bien sûr. D'accord. Commençons avec... bien. Alors, ça c'est l'organigramme de l'entreprise et... Tu ok, vois? Celui-ci? Oui, oui. Oh. Hey! Ada! Maman? Ne me dis pas ça. Ozobo, Ozobo! Maman, je te dis la vérité. Ozobo, Ozobo, on m'a passé dans un nouveau projet. Maman, je suis en train d'avancer. Oh. Oh! Maman, je te dis qu'ils sont en train de jouer avec l'argent. Maman, je suis très sérieuse là-bas. Je suis très sérieuse, je te dis. Hey! Mounati, ma fille. Maman. Donc, tu as obtenu ces postes? Bien sûr que oui. Bien sûr, maman. Qui aurait imaginé ma petite fille? Hey! Ma fille a trouvé du boulot. T'inquiète. Je sais que tu dois sûrement avoir faim. Laisse-moi t'apporter. T'inquiète, maman. J'avais déjà mangé. J'ai mangé quelque chose avant de venir ici. Tu as déjà mangé? Hey, mon Dieu. Hey, maman. Teresa. Où est Ochena? Nem, il serait mieux qu'on parle d'autre chose. Ochena est allé jouer à un match de foot. En ce moment, il doit sûrement être en train de revenir. Tu sais comment il adore le foot. Ochena avec son football. Quand est-ce que nous allons manger cet argent de football? Il adore ça. Et tu le sais bien. Hein? N'est-ce pas de cette façon que les grands joueurs du monde ont débuté? Mais un jour, Dieu va bénir notre famille. Que ce soit avec toi ou avec le football d'Uchenna. Je sais qu'il le fera. Maman, tu rêves beaucoup. Tu aimes beaucoup l'argent. J'aime l'argent et je rêve grand. Je ne vais pas finir comme ton père. Je ne vais pas mourir pauvre. Non. Maman, c'est bon. Hey. Qui n'adore pas les belles choses, ma fille? Hey! Nous atterris! Nous atterris! Papa, peux-tu la rappeler? Nous courons derrière le temps. J'ai essayé de l'atteindre, mais elle ne répond pas. Elle devrait être ici avec les dossiers. Oui, nous avons une réunion avec un partenaire ce matin à 9h. Ok, papa, essaie s'il te plaît. Très bien, bye. Bonjour, monsieur. Mounati, pourquoi t'as mis si longtemps? Je n'arrivais pas à voir le taxi. Et lorsque je l'ai eu, il y avait un embouteillage terrible. À cause du contrôle d'argent. Je suis désolée. Désolée, vraiment. C'est bon, tu as les dossiers? Oui, j'ai travaillé dessus toute la nuit. Très bien, alors... Allons-y. Ok, monsieur.
D'accord, fils. J'espère que tu as appelé Munachi pour qu'elle ne soit pas en retard à la conférence. Oh, bien sûr, je l'ai appelé. Mais sérieux, je pense qu'il est temps d'acheter une voiture pour ta femme. Pour éviter tous ces risques qu'on ne peut pas se permettre juste parce qu'elle est pressée et elle doit prendre un taxi. J'ai déjà pensé à propos de ça. Mais la vérité est que elle ne sait pas conduire. Et elle ne se plaint même pas. Papa, mais c'est la chose la plus facile à apprendre. Elle en a vraiment besoin, tu sais. D'accord, d'accord. Je ferai ça. Va d'abord chez elle la prendre. Prends-la pour que vous partiez ensemble. Je sais que tu as encore quelques heures avant la conférence. Ok, papa. Une chose de plus. Ouais. Essaye de la convaincre d'apprendre à conduire. Je le ferai, papa. À plus tard. D'accord. Passe une bonne journée. Je dois l'avouer, tu m'as vraiment impressionné avec ton raisonnement concernant le sujet. Oh, ça, regarde ça sous cet angle. Le taux d'emploi est vraiment trop bas dans notre pays. Et la CEC nous sort cette révélation. Oui, c'est bien, mais ça va affecter l'entrepreneuriat. Beaucoup de diplômés qui n'ont pas d'emploi se lancent dans l'entrepreneuriat avec un petit budget. Alors si la CEC tient à ça, je ne pense pas qu'ils auront réponse à leurs demandes. Bien, je pense que tu as raison. Tu es né dans une famille riche. Je ne te blâme pas. Oh, arrête s'il te plaît. Je travaille pour chaque rond que je gagne. Ne parle pas comme si tu ne connaissais pas mon père. Je le connais. Il travaille pour ses intérêts. En tout cas, j'ai vraiment faim. Je dois aller manger quelque chose. J'ai également très faim aussi, mon cher. Faisons route ensemble alors. Je suis très contente. Ouais. Toc toc toc. Oignon. Maman à moi. Eh wo. Ah. Non. Oui maman. Et kené chineke. J'espère que tu vas bien. Oui, maman, je vais bien. Vous aussi, j'espère. Mwaka. Ça va, mon fils. Je suis venu voir si... Je suis venu voir Munachi. Elle est là? Non, elle n'est pas là. Elle était allée au travail. Hein? Travail, sérieux? Oui. Ojelolo. En plein samedi. Mais maman, je pensais qu'il ne travaillait pas les samedis. Mon fils, c'est compliqué. Tu vois, ces jours-ci, elle part au travail tous les jours, même les dimanches. Des fois, ils sont de réunion le samedi. Oui. Ok, pas de problème. Je crois que je vais partir maintenant. Pars, okay? Mon fils. Mais s'il vous plaît, quand elle reviendra, faites-lui savoir que j'étais ici pour la chercher. Ok. Ok, au revoir. Ekene, viens. Oui, Ekene, s'il te plaît, mon fils. Il y a quelque chose que je voulais te dire, mon fils, mais tu connais la vieillesse. Le poids de l'âge, c'était vraiment sorti de ma tête. Donc maintenant que tu es là, il serait mieux que je t'en parle. Tu sais, je tenais à te rappeler quelque chose. Ok, je vois. Tu sais, Munachi est sur le point de se marier. Et en tant que femme mariée en devenir... Il y a beaucoup de choses qu'elle ne pourra plus faire avec toi. Et de ton côté, tu ne peux plus te donner la peine de venir lui rendre visite, savoir comment elle va, avoir de ses nouvelles, ou soit tu veux gâcher son mariage. Non maman, pas du tout. Veux-tu gâcher son mariage? Pas du tout. Ok. Ne le prends pas comme si j'ai joué à la méchante, c'est juste que je t'ai dit la vérité et tu étais d'accord avec ça. On s'était déjà convenu. Oh, c'est d'accord maman, c'est d'accord, c'est rien du tout. C'est juste que j'aimerais... Je comprends. Hein, Ekene? Maman? Je te comprends. C'est pour cette raison que j'essaie de te l'expliquer, mon fils, d'une façon très raisonnable. Je sais que tu es un garçon intelligent et tu comprends. Tu ne peux plus venir lui rendre visite n'importe comment. Juste comme ça, oui, maman. Mon fils. Hey,
Ah. pas grave, maman. pas grave, maman. Oui, mais mon en tout fils. Cas, c'est pas grave, maman. Je dois partir maintenant. Là. Eh oui, pars. Ah, d'accord. Merci, merci, maman. Bon, allez, mon fils. D'accord, d'accord, maman, je dois partir. Vous la saluerez de ma part. Non, hein. C'est pas nécessaire. Okay, c'est pas grave du tout. Ekene, s'il te plaît. Essaye de manger comme il se doit. Tu sais que la mécanique n'est pas une mince affaire. C'est difficile ce travail. Je le ferai, maman, bien que ce ne soit pas facile. Je t'en prie, prends soin de toi. Maman, en tout cas, là, je dois partir. Okay. Fais-le, mon fils, je t'en prie. Tu m'as entendu? D'accord. Elle va bientôt se marier, donc essaie de comprendre, mon fils, je t'en prie. Voyez-moi ce pauvre mécanicien. Tu es venu voir qui? Mon Hachi, ma fille. Désolée, trouve-toi quelqu'un d'autre. Ça ne va plus marcher. Maman, tu ne devrais pas lui parler de la sorte. Je connais Ekene, il sera très triste. N'est-ce pas une bonne chose qu'il s'habitue déjà à la réalité? Qu'est-ce que je fais de mal? C'est comme ça, maman. Et s'il te plaît, ça suffit. Ah, ça me revient. Comment va Nelson, le fils de ton mari? Nelson va très bien, maman. Hey, ce garçon est beau. Très charismatique. Ah. Il est parfait de la tête aux pieds. Tous les deux, vous allez bien ensemble. Ma fille, les jours qu'il était venu te prendre avec sa voiture, j'étais très contente en croyant que c'était lui qui était venu demander ta main en mariage à la place de son vieux père. Maman. Hein? Qui n'aime pas les belles choses? Arrête de faire semblant, ma fille. Comme si tu n'aimais pas les belles choses. Tu les aimes, je sais. Hein? D'ailleurs, qui ne les aime pas? Il n'est pas un mauvais choix. Si ce n'était pas à cause de son père, ça allait être une bonne chose. Mais tu sais que c'est Chief qui s'occupe de son fils. C'est lui qui lui donne de l'argent. Tu comprends? L'argent a le pouvoir sur toi, ma fille. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai fini de t'écouter. Laisse-moi aller me reposer. Mon Hachi, tu ne peux pas te lasser de m'écouter. Sans argent, je n'allais pas être en vie aujourd'hui. Allez, comprends ce que j'essaie de te dire. Qu'est-ce qui est de si difficile à comprendre? Maman, hein? Ce que tu fais là n'est pas du tout bon. Laisse-moi tranquille. Ma fille, ouvre les yeux et utilise ce que tu possèdes. Et quittons cet environnement. Maman, s'il te plaît, utilise ta tête, ma fille, ça. Et quittons ces lieux. Tu peux le faire. Hein? Ce garçon est très beau, mon Dieu. Hey! Oui. Avançons un peu ici. Oui, oui, oui. Je le connais très c'est bien. Vrai? Je l'ai rencontré une fois au bureau. Ah. Bonjour, papa. Salut, fils. Es-tu de retour? Comment tu vas? Je vais bien. Salut, Nelson. Salut. Si vous pouvez bien m'excuser. Chief, apparemment il ne va pas bien. Ne t'inquiète pas, Nelson avec ses sauts d'humeur. Il va bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Wow, c'est oui, très beau. Oui. Regarde ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Suis-je en train de tomber amoureux de Munachi ou quoi? Non, Nelson, ça ne peut pas être toi. C'est la femme de ton père. Elle est en effet ta belle-mère. Oh, je n'aime pas ça. Non, je ne peux pas. Non. Oh. Ekene, s'il te plaît, je m'excuse pour notre bien-être. Munachi. Je ne comprends vraiment plus ce qui se passe là. Tu as du liquide maintenant? Et tu ne viens même plus me voir du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ekene, je suis désolée. S'il te plaît, allons chez toi. Hey! Chez moi, pourquoi? Ekene, je veux que tu me fasses l'amour. Je veux que tu sois l'homme qui va me dévierger. Munachi, qu'est-ce que tu as? Non, Munachi.
Écoute, nous nous sommes promis ça l'un à l'autre que nous allons le faire une fois qu'on sera mariés. Ok? Et je ne suis pas prêt de briser ces promesses actuellement là. Tu comprends ça? Écoute, nous devons en finir avec ces jeux. Ok? Afin que toi et moi puissions enfin nous marier. Comme ça après je pourrais te dévierger si tu veux, mais pas maintenant en tout cas. Mona, tu en as utilisé cette stratégie pendant longtemps et ça marchait. Les défis récents doivent être des défis naturels, en fait, des choses qui se passent sur les marchés. Voilà pourquoi nous devons innover. Il s'agit d'un marché compétitif. Chacun cherche à être au top. Nelson, dans ces cas, sortons le produit et plaçons-en une publicité avec réduction. Tout consommateur voudrait bien garder le peu de son argent là. Je crois que c'est l'une des stratégies que nous devons adopter. Bien, tu as raison. Ok, je pense qu'on doit l'essayer. Je crois que ça va marcher. Je vois. Merci pour cette idée. Ok, est-ce que je peux partir? Oui, bien sûr. Ok. Toi aussi, mon gars. Tu ne m'as jamais dit ça depuis tout ce temps. Je viens de le faire. Mec, tu vois, Munachi est vraiment spécial. Nous avons juste lancé les produits pendant une semaine et nous avons repris le contrôle. Waouh! Oh oui! Elle ne s'est pas limitée là. Elle s'est assurée de surveiller chaque étape de la vente. Vraiment? Mon frère, ça c'est la meilleure des choses qui est jamais arrivée à cette entreprise. Ah! Waouh! Elle doit sûrement être une bénédiction pour ta famille. Double bénédiction, je dirais. Tu peux le retirer encore. Munachi. Hey, mon fils. Il y a longtemps que j'ai vu ça. Ah, maman, arrête ça, non, arrête. Il y a vraiment longtemps avec ça, mon fils. C'est fait. C'est ouvert. Anongwa et Longwa. Attends que je me sers. Calme-toi, tu t'agites pour quoi? Ah maman, ça c'est beaucoup non? Pour moi, c'est pour moi. Laisse-moi boire pour lundi, mardi et mercredi. Ma tête ne saura supporter maman, ça c'est trop. Supporter? Ta tête ne saura pas supporter? Vois-moi ces maman, garçons. Maman, mais alors, mais... Je vais ajouter, c'est pas quand même à manger. C'est rien que du vin. Ça, je garde ça pour demain. Hey, tu bois avec deux mains? Tu es vraiment un villageois. Regarde comment je fais. As-tu vu la pro? Maman, avoir de l'argent dans cette vie, c'est bien. Qui aurait cru qu'en ce moment, on pouvait boire du vin? Si on continue comme ça dans un mois, je serai très fraîche. D'ailleurs, je vais prendre du poids par force. Tu es vraiment un stupide? Un footballeur comme toi cherche à prendre du poids. Comment sauras-tu courir dans les terrains pendant le match? Vais-tu commencer à rester dans le banc de touche? Ne cherche jamais à grossir. Tu dis des choses des fois sans réfléchir. Que ce soit la dernière fois. C'est quoi cette stupidité? Ekene? Ekene, mon fils. Ah, Uche, tu vas bien? Maman, bonjour. Sois le bienvenu, mon fils. Maman, je peux voir que vous êtes en train de savourer. Nous buvons du vin. Ah, vraiment? Du vin rouge. Maman, je vous ai amené du pain que j'ai acheté là-bas dans la boulangerie. Pain. Comme ça, vous pouvez compléter avec le vin que vous buvez. Ah, le pain, donne. Ah, comment ça, le pain? Ne peux-tu donc pas voir que nous prenons du vin rouge? D'où on ne peut pas mélanger le pain et du vin rouge, c'est une mauvaise combinaison. Non. Rentre avec ça, c'est pas possible. Ne sais-tu donc pas qu'on vend le pain à ShopRite? Je ne savais pas ça. On les vend là-bas. Il y a la pâtisserie aussi.
Je ne puis entrer dans ces endroits. Alors... Tu dois y entrer, mon fils. Oui, ne serait-ce qu'une d'accord, fois. D'accord, maman. Ce n'est pas grave du tout. Ichena, toi au moins tu peux prendre, aïe. Non? Ekene, je vois que tu ne comprends pas ce que je dis. Le pain ne se prend pas avec le vin, au moins le Fanta ou les Coca. Je vois que tu ne regardes pas la télévision, voilà pourquoi tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Okay, je tu ne vis pas en ville, c'est normal. Très jeune ou non? Ce pain n'est pas bon. Le pain qu'ils fabriquent dans les quartiers n'est pas de bonne qualité. Tu aurais dû l'acheter chez ShopRite. Hé! Hey! N'est quoi, nous, mon bon fils? Maman. Mon fils. Sois le bienvenu, mon fils. Sois le bienvenu. Merci, comment tu vas? Mounachi, comment tu vas? Allez, lève-toi. Mon fils. Merci, maman. Merci. Ma fille Mounachi. Comment tu vas? Sois la bienvenue. Je vais bien, merci. Ekene, salut. Salut, Mounachi. Lui, c'est Ekene, une mère amie de notre famille. Oh. Ekene, lui, c'est Nelson, le fils de mon mari et mon boss au boulot. Un ami de la famille, oui, un bon garçon. Je dois me remettre en chemin, je partais déjà avant que vous n'arriviez. Oui, remets-toi, il commençait déjà à partir. Au revoir, au revoir. Au revoir. D'accord. Bye. Merci. Prochainement, faut appeler, hein, avant de venir, comme ça tu sauras les genres de choses dont nous avons besoin. Hein? Maman. Sois le bienvenu, mon fils. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends place, mets-toi. Non, maman, ne t'en fais pas. Ouais, je suis pressée, je dois m'en aller. Je voulais juste m'assurer qu'elle arrive ici saine et sauve. Hey, oh. Je pense que je vais m'asseoir prochainement. Tu es vraiment gentil et très galant. Maman, hein? Qu'est-ce que Kennedy est venu faire? Qu'est-ce que tu racontes? Va d'abord l'accompagner, va l'accompagner. Maman, au revoir. Oui. Nelson, il n'y a rien pour moi. Au revoir. Uchena, est-ce que ça va? Tu vas bien? Ah, oh. Maman, au revoir. Viens prochainement nous rendre visite. Maman, au revoir. Passe mes salutations à ton pas père. Pas de problème, maman. Dis-lui que sa belle-mère la salue et qu'elle va très bien grâce à lui. N'oublie pas. Il n'y a rien pour moi. Allumez-toi, espèce d'idiot. Tu n'as pas honte de toi. Mais c'est quoi ton problème au juste? Tu ne connais pas les tactiques? Hein? Pour lui soutirer un peu d'argent, il faut rêver grand. Il est parti comme ça et il ne t'a rien laissé. Tout ce que tu as fait, c'est rester collé à lui, à la place de lui soutirer un peu d'argent. Une fois de plus, vous deux m'avez rendu fier. Et je dis félicitations. Et j'espère que les meilleures années pour cette famille et notre compagnie sont devant nous. Amen. Tostons pour ça. Oui. Un autre succès. Regarde, va en bas, en bas, en bas. Oui, en bas là. Vérifie bien cette pièce là. Faut pas le faire brutalement. Non, je sais, je sais. Ne t'en fais pas. Ouais, il faut bien le contrôler. Oui, comme ça, ça va. Vérifie l'autre là, tu vois, il faut l'attacher. Ici? Tu vois l'autre là, attache-le. Oui, je dis. Hey, c'est pas facile. Donne-moi la clé 15, 15. 15, 15, 15. Ok, 15 se trouve là, oui. Donne-lui. Mounachi, arrête de pleurer. Hein? Tu me brises le cœur là. Je t'en prie. Ekene, nos examens vont commencer la semaine prochaine. Et on nous a dit à l'école que nous devons payer le frais pour participer aux examens. On pouvait déjà payer, mais tu connais bien l'état de maman. Il n'y a même pas moyen de faire quelque chose. C'est d'accord, arrête de pleurer maintenant. Si je savais, je n'allais pas du tout accepter aller à l'école en premier lieu. Maman a déjà vendu tout ce qu'elle avait. Mounachi, regarde-moi. Regarde-moi, Mounachi. Écoute, tu feras tes examens. T'en fais pas, tu feras tes examens.
il y a un peu d'argent que maman et Soussou me devaient. Ok? Et je les ai récupérés seulement hier. C'est ça. Tu m'avais dit que tu devrais acheter des effets pour les shops. Ne t'en fais pas pour moi, ok? Je peux très bien prendre soin de moi, ok? Pour l'instant, tes examens sont la priorité. Alors viens juste avec moi et je vais te donner l'argent, d'accord? Allez, suis-moi ces larmes. Ekene, merci beaucoup. Ce n'est rien. Allez, arrête de pleurer, ça va passer. Ekene, allons à l'intérieur. Mon Achi, qu'est-ce que tu veux faire? Ekene, arrête! Je veux que tu me fasses l'amour. Je veux que tu puisses m'aider, Vierge. Ekene, j'aimerais te donner cette joie-là, s'il te plaît. Pardon. Mon Achi, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur toi, ok? Écoute, nous ne le ferons pas jusqu'à ce que nous serons mariés. Et je ne suis pas pressé, moi. Je t'attendrai. Ok? Promets-moi juste que tu ne feras pas cela avec n'importe quel autre homme. Je te promets. Ah non, je n'aime pas du tout cet air que tu prends là. Je te promets. Je t'aime beaucoup. Allez, vas-y doucement s'il te plaît, chérie. Tu vas me tuer là. Ma chérie, chaque minute que je passe avec toi fait croître l'amour que j'ai pour toi. Je veux dire que ça le rend plus fort davantage. Tu sais, je ne pense pas que je peux vivre un seul instant de ma vie sans toi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime plus. Au-delà de la compréhension humaine, je ne peux pas demander un autre homme que toi. Et qui tu rends mon monde très beau et complet. Je t'aime. Ah, merci chérie. Dis-moi, quand est-ce que tu retournes à l'école pour faire ton dernier examen? Probablement le lundi ou mardi. Je suis trop content pour toi, oh. Ekene, je ne peux que te remercier pour tout. Tu es la raison de ce que je suis devenue dans la vie. Bien, tu vas vraiment me manquer, tu sais, chérie. Ne cherche pas à me rendre triste. Ah, allez, arrête ça. Tu sais que tu es une magnifique créature. Je ne t'échangerai contre rien ni personne au monde. Laisse-moi tranquille. Je t'aime. Mais... qu'est-ce qu'il y a? Dieu merci, tu es là. Qui te poursuit? C'est maman. Maman a recommencé encore. Ses médicaments ont fini. Allons-y rapidement. Où sont ces gars? Non, il faut bien l'introduire, mec, tu vois. Non, qu'il laisse, c'est bon, c'est bon. Es-tu sûr que ça va maintenant? Oui, c'est bon, ne t'inquiète pas. Les gars, je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. Pourquoi est-il si pensé? Franchement, mon cher, depuis le matin, il est dans cet état. Mais moi, en tout cas, je sais pas. Franchement, ça, ce n'est pas bien du tout. Je ne te dis pas. Il a certainement un sérieux problème. Qu'est-ce qui lui arrive? Boss, demande-lui. Va lui demander. C'est toi qui es plus proche de lui. Essaie de parler avec lui. C'est toi notre deuxième boss. Bon, mon cher, on continue. Tu vois ce que je te disais, hein? Ça ne s'attache pas facilement, oh. Ah, toi aussi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me montrer quoi? C'est depuis le matin que tu es comme ça. Je l'ai bien placé, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde là. Qu'est-ce qui te prend? Ah, boss, parle, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est malade? Qui est mort? Parle-nous, non? Depuis le matin, tu es comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi notre boss ici. Regarde un peu cette pièce-là. Ça, je l'ai déjà fait. Boss, on avait déjà fini. On l'a déjà revu. Les gars, tout ça n'est pas normal, oh. Je ne comprends vraiment plus Ekene. Mec, que se passe-t-il?
Tu ne regardes rien d'intéressant et en plus tu ne dis rien. Tu vas bien, toi? Je suis amoureux d'elle. Tu as dit quoi? Merci, Jésus. Merci, Jésus, finalement. Nelson. Dieu va bénir cette fille en tout cas. Mais qui est cette fille chanceuse? Munachi. Quelle Munachi? La Munachi que je connais, la femme de ton père, c'est ça? Ta belle-mère? Oui. Donald, je l'aime tellement. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Tais-toi, tu vas bien et tu es hors de toi là. Tu es devenu fou, c'est ça? Hein? Mec, parmi toutes les filles qu'il y a dans ce monde, tu n'as pas choisi une autre pour en tomber amoureux. À part celle de ton père, ta propre belle-mère. Es-tu normal, mec? Mec, le plus tôt tu finis avec cette merde, mieux ce sera. Tu veux t'envoyer en enfer? Écoute, Donald, tu es mon ami et j'aimerais que tu comprennes mes sentiments. Je n'ai pas envie de comprendre quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de comprendre quoi que ce soit. Nelson, tu dois... Pourquoi est-ce que je suis ici à écouter ces bordels-là? Désolé, monsieur. Oh. Désolé. Pourquoi cette voiture m'effraie ça, hein? Et ça ne m'a donné aucun signe avant. Non, monsieur, je n'aime pas cet environnement. Il fait déjà tard. Et ça a l'air dangereux. En cherchant un moyen de déplacement pour l'hôtel. Et demain, nous allons revenir chercher la voiture. Mona, tu sais que nous sommes très loin de la maison. Et notre hôtel est encore loin. À part ça, as-tu vu une voiture passer ici? Comment allons-nous arriver à l'hôtel? On peut emprunter un tuk-tuk ou carrément changer d'hôtel. Je crois que ça sera mieux. Vraiment? Oui. Très bien, laisse-moi verrouiller alors. Ferme le capot. Très bien, merci. S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin de deux chambres. Je suis désolé, monsieur. Nous n'avons plus qu'une seule chambre de libre. Pourquoi? Il y a des travaux qui se font faire à l'hôtel et certaines chambres ne sont pas encore entretenues. Qu'allons-nous faire alors? Nelson, je suis très fatigué. Je suggère que nous prenions la chambre. Ok, donnez-nous la clé alors. Nelson, vas-tu dormir là-bas? Ouais, ça ira, ne t'en fais pas. Tu ne peux pas être bien là-bas. Tu as eu une journée très très stressante. Tu as besoin de beaucoup de repos. Viens dormir avec moi sur le lit, il y a de la place ici. Non, ne t'en fais pas. C'est moi l'homme, ok? Alors, je vais bien, ne t'en fais pas. J'insiste. Tu peux pas rester là-bas jusqu'au petit matin. Il y a de la place ici. Viens me rejoindre. S'il te plaît. S'il te plaît.
Nelson, ne sois pas drôle. J'ai une question à te poser. Tu es riche, très beau et tu es bien éduqué. Pourquoi n'as-tu pas quelqu'un ou encore être fiancé? Mouna, c'est une longue histoire, n'en parlons même pas. Nous avons toute une nuit pour parler. S'il te plaît, dis-moi. Sommes-nous pas amis? En fait, je ne vois même pas par où commencer alors. Je n'aime pas me souvenir de ça. Tu peux commencer quelque part. D'un mot à l'autre et tu vas y arriver. Ok. Je pense que papa t'a dit que j'étais un vrai coureur de jupons. Ouais. Ok, mais c'était avant ma rencontre avec Chelsea. Chelsea était la meilleure description d'une femme attirante. Elle m'a fait voir l'importance d'être en amour et de vivre avec une seule femme. C'était tellement très beau. C'était comme ça jusqu'à un jour. Un jour vraiment terrible où je l'avais surprise avec un autre homme. Jésus, comment pouvait-elle? Bien. Tu sais, j'avais découvert que ce n'était pas sa première fois de faire ça. Et donc, elle m'est trompée pendant tout ce temps. Et les raisons qui l'ont poussée à faire ça, j'ignorais. Et après cet incident, j'ai commencé à détester tout ce qui était en rapport avec les femmes et les relations amoureuses. Je veux dire, je voyais que toutes les femmes étaient pareilles. Mais c'était avant que je ne te rencontre. Moi? Moi? Oui, tout a changé. Mais je pense que ça n'a pas de sens parce que tu es la femme de mon père, en fait, ma belle-mère. Mais Mouna, tel que je suis en train de te le dire, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je... Je t'aime. Je ne peux pas croire ça. Mouna, donc tu es une vierge. Et pourtant tu as eu à coucher avec mon père. Non. Nous n'avons jamais passé une nuit ensemble. Je lui avais dit jusqu'à ce que nous allons nous marier. Oh mon Dieu. Oh non. Mounachi. Écoute, je suis désolé. J'aurais dû me contrôler. Oh, arrête. Ne cherche pas ce que je sois triste. J'ai tellement aimé tout ce qu'on vient de faire ici. Sainte Marie, Mère des Dieux! Nelson, comment as-tu pu? Ceci est un tabou, c'est une abomination. Malgré tout ce que je t'ai dit là, comment as-tu pu coucher avec la femme de ton père? Mec, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je me sens coupable, mec. Mon père. Ah, mon Dieu. Hey! Et elle alors? En fait, j'ai essayé de l'éviter. Donald, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh mon Dieu. Nelson, hein? Nelson, hey! Nelson, Nelson. Nelson, ton père est un homme sage. Ne crois-tu pas qu'il suspecte qu'il se passe quelque chose entre vous deux et peut-être même qu'il pourrait le découvrir un jour? Mec, tu vois. Ok. Peut-être que je dois
rester loin de la fille du mieux que je peux, mon cher. Hein? Et peut-être que je devrais rester très loin de la fille. Quand tu dormais avec la femme de ton père, ne savais-tu pas que tu devais rester très loin d'elle? Je ne comprends pas. N'es-tu pas censé me réconforter, me donner des conseils? Et dis-moi, pourquoi même? Tu as besoin du pardon des dieux. N'es-tu pas mon ami? Et d'ailleurs, je commence même à mettre cette amitié en question. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Je n'ai jamais dormi avec la femme de mon père. Merci. Et te voilà en plus en train de dire que je devais te consoler. Condamne-moi. Je te console alors. Maintenant. Je te condamnerai. Merci. Prends ça. C'est quoi ça? C'est un chèque de 3 millions. Et Kenny, je suis désolée. Chief et sa famille commencent à tant m'aimer. Je serai une sorcière si je le quitte. Et Kenny, c'est tellement profond. S'il te plaît, prends cet argent et cherche à faire ta vie. Et Kenny, s'il te plaît, je ne saurais plus être avec toi. Je suis déjà emportée. Mounadji, alors tu es là pour me larguer. Je dirais que tu me remercies, hein? Mounadji, mon amour n'est pas à vendre, ok? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Au fait, pourquoi est-ce que tu me fais tout ça à moi, Mounadji? Je t'ai donné tout ce que j'avais, à toi ainsi qu'à ta mère. Et c'est comme ça que tu me remercies. Mounadji, maintenant va-t'en d'ici tout de suite. Ekene, s'il te plaît. Va-t'en avant que je ne fasse quoi que ce soit de stupide, Mounadji. Ekene, je t'en prie, prends cet argent. Je t'en prie. Ah. Ekene, hein? Mounadji. Maman. Ekene a rejeté la somme de 3 millions de naira. Quoi d'autre veut-il qu'on fasse pour lui? Hein? À propos, nous ne sommes quand même pas des ingrats. Nous lui montrons notre gratitude. Mais, es-tu vraiment sûr que tu lui avais dit que sur ses chèques, 3 millions de naira étaient écrits dedans? Oui, maman. Et il a refusé? Oui. Es-tu sûr? Le chèque de 3 millions? Oui, maman. D'ailleurs, Chichi, s'il essayait de faire de blagues, qu'il se mette en tête qu'il ne l'aura plus. Il commence à exagérer. C'est quoi ça? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Tu ne devrais pas condamner Ekene. Toi et moi savons très bien combien ce garçon a souffert pour nous dans cette maison. Essayons au moins d'être sincères ici. C'est pour cette raison que Mounadji lui a remis le chèque de 3 millions de naira. Sais-tu ce que peut faire 3 millions de naira? Hein? Ne sais-tu donc pas ce que cette somme peut faire dans sa vie? Ceci lui permettra de changer le statut de mécanicien. Hein? Avec ça, il peut ouvrir un atelier ou un garage et arrêter leur réparation. Ma fille, sur ce, tu n'iras plus rendre visite à cette Ekene Choukou. Mais maman... Il n'y a pas de main. Tu vois ces 3 millions? Je vais l'utiliser pour faire quelque chose de grand. Nous avons besoin de fenêtres. Une belle maison. Je vais me déplacer pendant un moment et laisser les maçons s'occuper de cette maison. C'est plus tard que je vais revenir ici. Ça ne va pas marcher. Ces 3 millions sont à moi. Pour qui il se prend? Un simple mécanicien. On lui fait l'offre de 3 millions de naira et il les rejette. C'est quoi son problème? C'est vraiment un idiot. Est-ce qu'on refuse de l'argent? Cet argent est à moi. D'ailleurs, que je le garde d'abord. Mon mari, la nourriture est prête. Ok. Pouvons-nous aller manger? Oh bien, je... Fils. Papa. Où vas-tu? On t'a dit que la nourriture est prête. Papa, je n'ai pas faim, je mangerai à mon retour. Nelson, c'est quoi le problème? Tu ne passes plus du temps avec nous. Ton comportement est étrange ces jours. Y a quoi? Papa, c'est rien. C'est juste le boulot. Excusez-moi. «
C'est comme s'il nous rejette ces derniers temps. Pourquoi? Je pensais qu'il soutenait notre union. Peut-être qu'on va le découvrir après. Ok, ne t'inquiète pas. Allons-y. Je vous ai invité ici pour vous informer que vous deux allez être mes meilleurs hommes le jour du mariage. Quoi? C'est drôle. En fait, depuis quand le mariage demande deux meilleurs hommes? Papa, tu n'aurais juste besoin que de l'un d'entre nous, soit moi, soit Donald, ou soit l'un de tes amis. Et pourquoi as-tu besoin d'un jeune meilleur homme, de toute façon? Fils, je veux le faire à ma manière. C'est comme ça que je le veux. Vous savez, il y a des innovations chaque jour. Nous sommes au millennium. Je veux que toi et Donald soyez mes meilleurs hommes. Voilà. Ok, d'accord, Chief. Si c'est ce que vous voulez. En tout cas, moi, je suis prêt. Bien. Nelson. Oui. Nelson, tu dois arrêter avec ça, s'il te plaît. Arrête. Je devrais arrêter ça, ce que je tu dis. Je t'en prie, arrête. Donald, je vais être garçon d'honneur dans le mariage d'une femme dont je suis amoureux. Et tu me demandes d'arrêter. Bro, tu devrais arrêter. Le mariage est prévu pour demain. Il n'y a rien que nous puissions faire actuellement. Nous devons juste nous concentrer. Ok, que vais-je faire? Dis-moi, que vais-je faire? Comment pourrais-je les voir? Je veux dire, mon père et sa femme. Mon père va introduire l'anneau au doigt d'une femme que je suis amoureux. Bro, cela arrive, ok? Sois un homme. Sois un homme. Tu dois arrêter de boire. Et sois courageux, s'il te plaît. Arrête, non, arrête. Allez. Laisse-moi te trouver de l'eau à boire, s'il te plaît. Ça va aller. Arrête de te torturer. Non. Nelson, arrête. Aïe, Seigneur. Allez, doucement. Ojibwa Neo. Ekene, mon fils. Oui, maman. Je sais que ceci sera très difficile pour toi. Notre souhait a toujours été de voir ensemble Munachi et toi comme mari et femme. Mais Dieu seul sait pourquoi l'histoire a pris cette tournure. Écoute, Ekene, Munachi t'aime de tout son cœur. Ne crois pas que c'est aussi facile pour elle. Mon fils, c'est pas comme si je prenais sa défense. Hein? Je t'en prie, essaye de comprendre. C'est pour cette raison que je t'ai fait appel, mon fils, pour t'expliquer calmement. Accepte les choses comme telles et essaye d'avancer. Je t'en prie. Ekene. Dès qu'ils vont finir avec leur mariage, je vais m'y rassurer pour qu'ils te remettent une somme raisonnable. Tu vas renforcer ton business en agrandissant ton garage et ton train de vie va changer. Je t'ai fait confiance, tu vas y arriver. Je sais que tu es un très grand bosseur. Hein? Ada Bogobo. Hein? Ekene, tu finiras par trouver une fille très jolie, aimante et attirante plus que Munachi. Crois-moi quand je te dis ça. Hein? Je t'en prie, mon fils. Maman, c'est ce que vous voulez toutes les deux, n'est-ce pas? Mon fils, qu'est-ce que je peux faire? Essaye de comprendre, Ekene, je t'en prie. D'accord. Dieu merci, vous êtes de nouveau sur pied. En tout cas, là, je dois partir. Hey. Merci, mon fils.
Je sais que tu es un bon garçon. Tu vas accepter. Ce n'est pas du tout de ma faute. Hein? Je sais que tu vas accepter. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ton garage. Je te le promets, mon fils. Dalourieneo. Au revoir, mon fils. Tout ceci était supposé être un jeu. Pourquoi ce monde as-tu devant me faire ceci? Après tout ce que j'ai fait. Bien. Je crois que je n'ai pas d'autre choix. Je dois juste l'accepter. Je ne la blâme pas. Peut-être que si j'étais à sa place, j'aurais fait pareil en tout cas. Nelson! Tante, ça ne passe pas. Tante, il nous a dit de venir. Il viendra avec le chauffeur dans une autre voiture. Non, s'il te plaît, sans effet. Sans effet. Non, tantine, calme-toi, non? Calme-toi, aisons d'un peu de patience, il arrive sûrement. Calme-toi maintenant. Juste patientons un peu, hein? Oui. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas habillé pour le mariage? C'est bon, calme-toi, fils. Au fait, tout ce que vous voyez là a été planifié. Juste pour toi. Je ne comprends pas. Penses-tu que ça va marcher, Donald? Il m'inquiète beaucoup. Je veux qu'il s'engage. C'est mon unique fils. Et je crois sincèrement que ça va marcher, Chief. Allez-y et prenez juste une fille pour épouse. Je connais Nelson. Nelson va l'aimer et la chérir exactement comme sa belle-mère. Vous savez, la présence constante d'une femme dans cette maison va aider Nelson à de nouveau tomber amoureux et rouvrir son cœur d'amour, oui. Honnêtement. Je vais essayer. Mais personne ne doit le savoir. Chief, vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Votre secret est bien gardé avec moi. Je suis très positif, ça va marcher, oui. Je l'espère bien. Oui, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donald, es-tu sérieux? Je suis vraiment sérieux, Chief. Ils sont éperdument amoureux. Et d'ailleurs, Nelson est fou amoureux d'elle. Chief, ce que vous avez cherché il y a des années, se trouve maintenant ici, là. Je suis très content à propos de cette nouvelle. D'ailleurs, il n'y a plus de temps à perdre. Je vais déjà annoncer la date du mariage. Waouh! Qu'en penses-tu? Oh, parfait, absolument parfait pour moi. Bien, bien. Une chose de plus, tu seras le meilleur homme. Je trouverai un moyen pour l'arranger, ne t'inquiète pas. Ah d'accord, il n'y a pas de problème, tu fais appel à moi dès que vous avez besoin. Ça c'est bien. Merci beaucoup Donald, je ne pouvais le faire sans toi. Tu es vraiment un bon ami. Chief, il n'y a pas de quoi, je ferai tout pour vous ainsi que votre famille. Merci. Je vous en prie monsieur. Tu es mon unique fils. Et je souhaiterais toujours le meilleur pour toi. À un moment de ta vie, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me disais que peut-être tu n'appréciais plus les femmes. Et je voulais changer cette perception. À propos des femmes, j'avais décidé d'en planifier avec ton ami. Hey, je ne faisais qu'essayer d'aider moi. Alors fils, c'est ton mariage et non le mien. Allons à l'intérieur célébrer. Merci papa. Merci beaucoup. Oh. Chief,
Je l'ai fait pour mon fils. Tu le mérites, mon frère. Ah oui, merci beaucoup. Allons à l'intérieur. Merci, merci beaucoup. Allez, allons célébrer, s'il vous plaît. Tu sais, je t'ai réglé ton compte une fois les mariages. Allez, arrête ça, mec. Thank you.